Bonjour, alors aujourd'hui une petite vidéo un petit peu rapide, un petit peu particulière parce que j'avoue que j'ai manqué un petit peu de temps cette semaine et c'est surtout une vidéo pour répondre à Fabienne là, qui voulait faire cet album pour ce week-end. Alors rapidement, j'explique les petits soucis que j'ai eu. Alors petits soucis, c'est-à-dire que j'ai été obligée de refaire ma reliure, donc c'est pour ça là, elle est absolument pas décorée ni rien. J'ai fait l'intérieur et j'ai été obligée de rallonger en fait cette reliure là, je l'ai passée à 3 cm parce que j'ai eu une idée un petit peu fofolle comme d'habitude. Et du coup, je manquais d'espace pour finir mon projet. Donc voilà, le projet, il est là. Alors, attendez, on va essayer de se redresser un petit peu. Voilà. Et donc, le projet, c'était celui-ci. C'est-à-dire que j'ai voulu rajouter une petite barrière que je trouve absolument magnifique. Et du coup, il y avait cette épaisseur. C'est pour ça que j'ai refait ma reliure. C'est tout moche, hein. Mais voilà, on est dans l'urgence. Il fallait que je fasse voir cette vidéo à Fabienne et aux autres, hein, bien sûr. Mais je vous en ferai une quand il sera vraiment fini. Et voilà. Donc ici, on retrouve donc les petites pochettes. Et à l'intérieur, donc là, j'ai quand même fait mes petites cartes. Alors, les petites cartes, j'en ai fait 12. Alors, j'ai pas collé les photos. Là non plus, j'ai pas eu le temps. Donc, toujours le même principe. Ça, vous avez le tuto pour réaliser cette petite sacoche. Les petites étiquettes, vous les trouvez dans cet album. Il faut savoir que ça correspondait parfaitement. Donc là, j'étais bien contente. J'ai même pas eu besoin de mesurer. Alors, il faut venir couper. Vous verrez sur ces petites cartes, en fait, je sais pas si ça se voit, il y a des petits cadres un petit peu rose doré. Et on vient couper pile à ras. Et du coup, ça nous fait des petites cartes. Et j'ai pu toutes les faire. Je crois que j'en ai fait 10. Il doit y avoir 10 petites images. Donc ça, c'est vraiment sympa. Alors, l'originalité, évidemment, c'est cette barrière. Ça, je voulais absolument ça, j'ai pensé. Donc, c'est pour ça que du coup, c'est un petit peu mis en chantier mon album. Ici, bah, comme d'habitude, j'ai réutilisé mes petits bâtons de glace que je suis venue coller au pistolet à colle. Ici, je suis venue mettre les fleurs, alors, entre les deux barrières pour pas que ça fasse trop épais non plus. Hein, d'accord, j'ai quand même essayé de tricher un petit peu. Et je suis venue coller, alors, je pense que ce soit avec du double face un petit peu épais. Voilà. Et à l'intérieur, donc je suis venue glisser ce petit... avec une main, c'est pas facile. Ce petit élément en trois parties. Voilà. Que je viendrai aussi garnir de photos. Donc là, ça permet de mettre pas mal de photos. Petite remarque, merci Cathy. Donc ça, c'était un petit peu du transcrit. Je sais plus exactement comment ça s'appelle. Donc on vient avec une feuille et on gratte pour poser l'image. Et regardez comme ça rend bien. Donc j'ai trouvé ce petit ruban. Je trouve qu'il marche assez bien avec le style. Et du coup, bah, je vais mettre mon cheval dans la barrière. Tout simplement. Donc c'est comme ça que je suis venue décorer. Rien n'empêche de mettre des photos derrière. Donc vous voyez, ici, on a 5 pages pardon, pour mettre des photos. On en a 12 si on fait recto verso, 12 ici. Donc on a déjà de quoi faire pas mal de photos. Ici, vous retrouvez la cascade. Donc ça, je vous ai fait le tuto. Là encore, merci Cathy. Là aussi, regardez comme ça rend super bien. Donc les papiers sont blancs et voilà, là, ça rend très très bien. Donc là, c'est la cascade. Hop. Voilà. Donc pour rallonger, au départ, je vous avais dit, bah, je ferais peut-être sur le thème ma sphère à cheval. J'ai simplement rajouté en fait un papier pour rallonger ma tirette, hein, tout simplement. Puis ça me permettra de mettre une photo. Et ici, j'ai fait tout simplement un rabat. Alors un rabat, comment ça se passe? Alors j'ai plus mon mètre. Je crois que j'ai pris. Voilà, j'ai plus rien pour mesurer. Si peut-être. Hop. Alors. C'est un petit peu en chantier. C'est vraiment, vraiment pour dépanner Fabienne. Donc ici, ouais c'est ça. On est à 9 cm. Ensuite, je suis venue ici faire un petit... Ah, mais je vais y arriver aujourd'hui, c'est compliqué. Une petite languette de 1 cm que je suis venue coller sur ma page. Et j'ai mis le papier déco dessus. Voilà, parce que tout simplement, je ne peux pas faire des pages et des pages dans cet album. Voilà. Hein? Moi, je trouve que ça fait chicot. Là, on est quand même bien sur le thème du cheval. Hein. Voilà. Alors, je suis désolée. Donc, il est vraiment pas fini. Il est vraiment tout moche parce que là, voilà, il faut que je décore. Il faut que je remette ma cartonnette. Pour le rallonger, je suis tout simplement venue couper ma reliure. Hein. Ça m'a fait un petit peu mal au cœur. Et puis, avec le craft gommé, hop, je suis venue réparer tout ça. Donc, il faut juste que je le... Voilà, que je le rafistole. Je vais y arriver. Mais comme je voulais cette barrière, plus les petites sacoches, vous savez, les idées viennent souvent un petit peu, voilà, comme ça. Donc, je voulais absolument maintenir mon idée. Et c'est pour ça que, voilà, qu'il est rafistolé. Mais je vais le refaire, il n'y a aucun souci. Mais je manque un petit peu de temps cette semaine. Voilà. Pour la déco, ici, alors, il y a des petites pochettes à action. Alors, j'en ai retrouvé cette semaine.
Donc, clairement, moi, je vais rajouter donc ces petites fleurs. Je vais rajouter une photo de ma tante quand elle était petite, je pense. Et en haut, je vais faire une petite rosace. Vous savez, comme c'est les prix qu'on remet aux chevaux quand ils gagnent des courses, etc. Avec deux petits rubans. Donc, ça, c'est mon idée. C'est comme ça que je vais faire ma couverture. Donc, si ça peut donner des idées, Fabienne, pour finir l'album. Mais promis, je m'y mets dès que j'ai un petit moment et je vous refais une vidéo, beaucoup plus correcte que celle-ci. C'était vraiment pour l'urgence et pour dépanner. Mais promis, elle sera faite. Eh bien écoutez, je m'excuse pour cette vidéo très très rapide, mais j'espère que voilà, ça pourra dépanner pour ce week-end. Allez, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt. Au revoir.